faire du ressource pour Calalo, c'est pas très compliqué. Tu commences par faire bouillir tes pois en y rajoutant du thym, de l'ail, des clous de girofle, des oignons verts et de l'huile. Et tu laisses bouillir jusqu'à ce que ça ramollisse. Tu fais aussi bouillir de l'eau à côté en y mettant du thym, du persil et des clous de girofle. Tu sors ta viande. Pour la démonstration, on va utiliser du cabri et du crabe. Tu la laves en frottant bien partout à la surface. Tu rinces à l'eau froide et tu ajoutes du jus de citron. Et tu verses l'eau que tu avais mis à bouillir tout doucement, sinon le liquide revole partout. Tu brasses une dernière fois avant de retirer ta viande et de te débarrasser des preuves. Maintenant que ta viande est bien propre, tu verses du jus d'orange sûr et de l'huile. Avant de rajouter 3 cuillères de marinade avec toutes tes épices, boum, tu pourrais ne rien mettre d'autre à partir de là. Et ce serait déjà bon. Tu brasses pour bien enrober. Tu ajoutes un oignon haché, blanc ou rouge, c'est ton choix. Et du sel avant de faire monter la température. Tu fais couler de l'eau parce que c'est mieux pour la suite quand c'est mouillé. Et tu recouvres à feu moyen pendant 1 heure. Si tu n'as rien à faire pendant ce temps, prends ton trou. Quand ça sèche, tu découvres et tu brasses en enfonçant la manche jusqu'au fond. Tu rajoutes la pâte de tomate et tu brasses encore pour bien l'enrober partout. Verse de l'eau et continue à brasser. Si ça brûle dans le fond, affaire ou pas bon, change la viande de position tout en continuant à brasser vigoureusement. Si tu utilises des galalo congelés, étale-les bien pour ne pas laisser de froid entre eux. Mais ne brasse plus, reste à la surface. Ajoute du thym. Si tu aimes le piment, ajoute-en. Si tu aimes vraiment ça, prends 2 à la fois. Assure-toi que c'est bien mouillé et recouvre en feu moyen pendant 30 minutes. Faire du riz blanc, c'est pas très compliqué. Tu prends une poêle chaude et tu ajoutes de l'huile. Pour faire un oignon vert, joueur de flor is lava. Et tu brasses tout doucement. Mets ton sel directement dans l'huile et tu brasses encore. Ensuite, tu ajoutes de l'eau, mais tu arrêtes avant d'en avoir à le bol. Et tu fais monter la température. Quand ça bout, ce qui est important de savoir pour le ratio, c'est qu'il te faut la moitié de la quantité d'eau en riz avant de brasser encore. Tu t'assures que ton riz est bien sous l'eau. Pour finir, tu laisses bouillir. Quand tu découvres, tout devrait être à point. Enlève le thym et ajoute un peu de sel. Ajoute aussi un oignon haché. Étale-le bien à la surface. Mais n'enfonce plus, c'est sensible. Quand les pois sont bien mous, c'est le moment de les passer au blender. Arrête-toi quand tu en as fait de la purée. Tu mets une passoire au-dessus de bol et tu verses le mélange à l'intérieur. Brasse fort pour faire couler tout le liquide. Ça peut prendre du temps, mais ne t'arrête pas. Recommence jusqu'à ce que tu as tout vidé. Mais laisse quelques pois intacts pour la texture. Tu ajoutes de l'huile dans une casserole chaude et tu y mets un oignon haché et du sel. Quand c'est bien caramélisé, tu y verses
verse le mélange de pois que tu avais mis dans le bol. Zoukla Cécile me dit comment on est. Ça consent, Zoukla Cécile me dit comment on est. Et voilà. Avant de verser la crème de noix de coco et de laisser bouillir pour brasser pour un deuxième round. Si tu aimes le piment, ajoute-en et tu laisses réduire à feu doux. Tu laisses sécher ton riz, mais pas trop. C'est mieux pour la suite quand c'est mouillé. Tu libères les côtés, sinon tu risques de juste manger du gratin et tu recouvres à feu doux pendant 15 minutes. Continue à brasser jusqu'au fond sans que ça revole partout. Arrête-toi une seconde pour écouter. Avant de rajouter une cuillère de marinade avec toutes tes épices, boum, et de brasser encore. Tu devras t'arrêter encore une fois pour y goûter. Et tu laisses réduire à feu doux. Tu découvres ton riz et tu te prends une assiette avant de la remplir sur le côté. Certains préfèrent se faire servir à la surface et d'autres au fond. C'est ton choix. Tu as réussi à éviter de faire un dégât, mais tu n'as pas fini de brasser. Enfonce la manche jusqu'à ce que tu sentes un petit poids. À ce moment-là, tu remplis ton assiette et tu arrêtes seulement quand elle ne peut plus en prendre. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu découvres ton kalalo et tu le manipules avec douceur. Remplis l'autre moitié de ton assiette de riz. Bien sûr, si tu tires en premier, prends plus de viande. C'est toi qui sais quelle quantité qu'il te faut. Verse de la sauce généreusement. Plus besoin de te retenir. Fais-toi plaisir. Il ne te reste plus qu'à laver tes mains. Tu ajoutes du pickles. Voilà. Bon appétit. Les années ont passé et la petite Maïcha, dont le prénom signifie vie en langue africaine, avait grandi. C'est un